Je vous souhaite une excellente game à toutes et tous. Allez, la bise. Allez, la bise. Bienvenue dans le Maître des Fleurs. Merci beaucoup, My Mayo, pour le 40e mois. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller écouter C'est long pour bien commencer votre après-midi. C'est oui. C'est oui. Et merci, Defman. Train pendant le... Attendez, je me fais... C'est marrant. Ah. Merci, mec. Merci, mec. Pas de problème, mec. Putain, je suis trop con. Coucou. Ah, les potions sont nulles. Si vous êtes loup-garou, soyez content. Ah. Bah, tu peux... Tu... Dis-nous. Bleu, pour bleu, c'est lumineux. Donc nul, et les deux autres sont ok, mais elles clutchent pas quoi. Vision nocturne et audition. Rouge pour vision nocturne et oh, vert ça, pour... Oh, vision nocturne, c'est pas oui, dégueu hein. Pas... Non, ok, mais quand tu vois qu'il existe le TP, invisibilité et tout, il y a quand même des trucs. Et célérité, juste invisibilité, célérité, c'est vraiment trop fort pour les villageois. Merci Zens, 28 mois de prêt, merci beaucoup. Et non, j'ai pas encore changé de carte son, Terry, j'arrive pas à la setup pour le moment. Je vais essayer jeudi soir là, de mon côté. Bon. Allez. Non. Et merci Cléliou. Finito la salade alors que c'est objectivement le meilleur badge. Merci de rétablir la vérité sur la salade. Est-ce que t'aimes la salade Arcantor? En vrai ou dans le jeu? Vrai. En vrai non. Quoi? Ah mais oui, mais toi t'es chiant en bouffe, t'aimes rien non? Ouais, tu sais que c'est faux la bouffe là, ouais. Ah ouais, mais toi c'est cauchemardesque hein. Carottes, j'ai un peu envie de crever mais vas-y t'inquiète. Ah putain, mais c'est quoi que tu peux manger toi? La viande, des pommes de terre, pâtes. Du riz. On va dire c'est à peu près ça, tu vois. Ah ouais, la mais chianteur. Les légumes, à part les haricots, c'est mort. Et les fruits, il y en a aucun. Et hein voilà. Genre la banane? Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, non, bah non. Cantor, comment ça, la banane, c'est compliqué? Bah, désolé, c'est pas possible. Mais quoi? Et genre la pomme? J'ai réessayé, en plus, il y a pas si longtemps, même dans un cake aux bananes et tout, Nutella, et impossible. Écoute, Et ben moi... Je... J'ai appris ce que... Attends, je suis... Mais... Oh non, bah non. Bah moi j'adore... Dire ce que je suis, ou oui, vas-y, bien sûr. Si, si. Ouais. Alors attends, le terme c'est Néo... Merde, je sais plus, mais Maxime Biaggi il l'a dit un moment donné dans un live avec Domingo. Voilà, après si je peux te faire perdre du temps pour que tu tues personne d'autre, ça peut être pas mal. Oui, de toute façon je serai que toi, Arcantor, je vais pas te mentir là-dessus. Ah ok, ok. Bah écoutez très bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas sur le live de Ponce, bienvenue à tous, c'est le maître des fleurs. Eh bah courage à toi, des gros bisous. Merci. Ah, néophobe, néophobie alimentaire. C'est ça, néophobie alimentaire. Exact. Et merci Quentin Naka et merci Quentin Perrault. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Quentin Perrault. Ah pardon, 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 excusez-moi, pardon. On parlait... Non, pardon, pardon, excusez-moi, excusez-moi, pardon, excusez-moi. Pardon. Beau gosse Quentin, tu régales. Ah. Mais je connais pas... Non, pardon, excusez-moi, on discutait d'un truc intéressant. Parce que vous, vous aimez la salade ou pas? Oui, j'adore ça. Oui, ça va bien avec une bonne sauce. Quel genre de salade? Les gens qui aiment la sucrine, c'est des mauvaises personnes. Tu parles du synonyme de l'argent, bien sûr, pensant à la salade, bien sûr, le pèse. Ah non, je parlais vraiment de la salade pour le coup. Salade pour l'argent. Je parlais. Non. Los pesos, c'est vraiment. Salade. Pas du tout. Voilà. Est-ce que vous. Salade, mais sans salade. Vous connaissez, parce que je ne connaissais pas, la néophobie alimentaire. Pourquoi il y a des gens qui sont mis à voter les uns contre les autres? Hein? Non mais c'est Kao et moi, laissez-vous, restez en dehors de ça. La néophobie alimentaire. Je découvre ça, c'est un trouble alimentaire, c'est la réticence ou le rejet à manger des aliments nouveaux, et du coup bah forcément, grosso modo, tu vas aimer pas grand chose, vu que bah, tant que t'as pas vraiment mangé quelque chose, bah ça va être nouveau, mais du coup tu le rejettes donc tu vas pas vraiment le manger, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc des bébés, mais du coup après quand tu grandis, bah du coup ça reste quoi. Voilà, c'est tout, je connaissais pas du tout ça. On dit dans mon chat. La néophobie alimentaire, bah, je savais pas. Et mais ça, c'est une fin en soi ou c'est un truc, tu vois des experts et tu débloques? Je pense que ça se travaille comme beaucoup de troubles, tu vois, mais c'est considéré comme du trouble alimentaire, ouais. Ouais, ouais. Je connaissais pas du tout. Depuis que t'as 4 ans, c'est dur quand même. Et pour Arcantor, alors, quelqu'un a vu quelque chose ou... Non, il est mort tout seul comme un con, j'ai l'impression. Arcantor, j'avoue. Au départ, on a eu un traître. En gros, il y avait une balle et j'ai voulu la donner au chasseur. Et quand on est revenu chercher la balle, elle est disparue. Voilà. Oh, ouais. Quelqu'un a pris la balle. Oh. Du coup, c'était que parmi. Attends, c'était parmi Anae, Wingo, toi et qui d'autre? En tout cas, Ponce, t'as fait perdre une belle minute de parole. Je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Ben oui, mais. Mais merci Quentin quand même. Désolé. Il y avait Fukano, il y avait Tsuna, il y avait Wam, il y avait Kao, Wingo. Voilà, c'était ça l'équipe.
Mais à la fin, il y avait trouvé l'outil, il y avait beaucoup de gens qui rôdaient quand même autour du village. Ouais. J'ai quand même découvert la néophobie alimentaire. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à m'en mettre. Je passe le vote du coup, parce que j'ai pas du tout. Bah cher, quand on s'en fallait pas me dire au départ. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il connaît quelqu'un qui a ça. Oui. Ah. Le A de finale était... Ah. Ah, et bah très bien. C'est incroyable. Ah, bon bah. Ça se travaille, mais c'est psychologique, c'est très dur de goûter à un plat nouveau, par exemple, moi, c'est l'odeur ou la... Mais quoi ? Mais je discute, qu'est-ce qu'il y a, Flonflon ? Et quoi, Twitch, c'est interactif, c'est du direct, Flonflon ! Si toi, tu t'en fous de ta communauté, moi, je discute avec, ok ? J'en ai rien à foutre de ta communauté ! Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Laisse-moi passer, Flonflon, c'est ça, je te laisse. Eh, va parler de ta musique, Flonflon, à plus tard. Merci, Flonflon. Merci, Flonflon. Au revoir. Ouais, la belle Floral Records streamée. Voilà, mais rentre pas dans cette maison, j'ai tout bouffé. Me réfléchis deux minutes, je t'en conjure, Flonflon. Mais il est relou, lui aussi, là. Tu prends de l'espace, là, tout le temps. Bon, bah, je te suis. Si tu veux, c'est quoi, ça? Ah. Peut-être, là. Oh, tu vas me la mettre à l'envers. De toute façon, je te sens pas depuis le début. Mais quoi, mec? Du jeu, là, je parle vraiment depuis le... Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais du coup j'ai découvert la néophobie alimentaire, je ne connaissais pas, voilà, sachez-le. Et force à toutes les personnes qui sont atteintes de TCA. Ouais, il y en a beaucoup. Bah en même temps, la saucisse, hein. La saucisse. Bah, on vit dans une saucisse. Oui. Putain, j'en étais sûr. Ah. Je travaille avec une diète spécialisée dans le domaine depuis 2 ans. J'ai gagné 2 légumes dans ma petite palette alimentaire. C'est très difficile et une vraie peur, c'est très complexe. Ok, mais je connaissais pas du tout. Hein. Je shamais zéro le Arcantor. Hein. C'est juste que plusieurs fois, on a discuté de bouffe. Et plusieurs fois, il m'a dit... Oui, mais t'es désolé, je suis en full panique. Par contre, c'est très mitoyen. Hein. Les murs sont fins. T'es Wingo ? Salut Wingo ! T'as essayé de m'avoir, hein ? Salaud, va ! Il essaie. Ah, pardon. Ah, c'est drôle, hein. Mais je crois pas. Ah, c'est drôle, hein. Pourquoi ça l'a pas tué? Pourquoi ça l'a pas tué? Il a tué quelqu'un entre-temps. Il a repris le piège. Oh mon dieu. J'ai... Ah, je pouvais passer là, je pense. Ben non, je pouvais pas. Elle est passée là. Non, mais vous en faites pas, personne sait que c'est moi, c'est nickel. Elle court là-bas, regarde. J'ai tanké la balle, mais je sais même pas comment c'est possible. Mort du coup. Oh mon dieu. C'était qui notre voisin? Mais je crois que j'ai touché les deux, parce que quand j'ai tapé le deuxième, j'ai cru que je le tuais, vu que je pensais non, que c'était le premier. Non, c'était Anaï qui courait derrière nous en rigolant. Attends, je pense c'était débile. C'était toi, Coca, le voisin. Non, c'était moi. C'était Fucano. Non, c'était Fucano. Attends, moi j'étais dans le village près de vous, j'avais audition et je vous cherchais et je trouvais pas. Voilà, mais j'avais audition, j'étais dans le village avec vous avec les. C'est Pompon, et Anaël. Petite pensée pour Kao qui. Oh non, je voulais. Sa mort, elle est horrible. C'était horrible, ouais. Parce que heureusement qu'il a réussi à rentrer, parce que c'était un autre. Il y a eu 2 transformations, c'est sûr. J'ai tiré sur un loup, il est parti. Et après, d'un coup, je croyais qu'il était revenu. Moi, il nous a pourchassé, moi et voilà. Isaac, c'est pas le même. Et en fait, là, il y a un autre loup qui est arrivé, je croyais que c'était le même. Et du coup, il a voulu rentrer dans la maison en accroupi, en mode skill, mais il s'est pris quand même un piège. Et j'ai retiré dessus en voyant qu'il mourrait pas. Et il est pas mort encore, avec un piège. Mais ça tue pas un piège plus la balle ? Ben, je pensais. Justement, c'était pas le même. Ouais, mais même, du coup, moi, j'ai une histoire rigolo. Et c'était Wingo, KO. Voilà. Ouais, non, c'est pas Wingo. Wingo est safe. Moi, Wingo est safe. Vas-y, Fuka. Ok, Fukano. Moi, je le soupçonne d'être un villageois qui s'ennuie et qui fait des bêtises, mais il s'est fait passer pour le chasseur auprès de moi. Ça, c'est pas probable, ce mais réel. Wingo se fait chier. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Wingo, Owam et Tsuna, on est safe sur ce coup-là, parce que Tsuna a tiré sur le loup qui nous a pourchassé, moi et Wingo, et qu'on a vu et entendu un deuxième tir, donc deuxième transfo. Ce qui fait qu'il ne reste plus que Coca, Fukano, Anae et Ponce. Anae et Ponce, très silencieux. Bah, moi je les soupçonne très fort. Comment ça, très silencieux? Je fais partie des gens qui ont parlé. Écoute, avec audition, pourquoi pas? Luthi? Ouais. Fukano, impossible. Bon, bah, du coup, c'est un des trois. T'as les deux là sur les trois, c'est sûr.
Eh ben alors, c'est quoi, moi, genre, si je dois suivre mon premier instinct... Alors déjà, moi, je confirme complètement Wingo, Lutti, Tsuna dans le même village. Fukano, j'ai un doute. Mais surtout, Anae, moi, je la soupçonne que c'est elle, la voleuse de balles du premier round. Voilà. Bah oui, c'est la seule personne qui reste encore. Ah, il y a eu une folle de balles. Est-ce que sur les profils... Parce que je vous ai dit, il y a un loup, il a essayé de crouch et de zigzaguer entre les pièges et tout en mode giga skill. Ouais. Bon, il a pas réussi, mais Anae, ça. Par contre, faut voter, hein. Par contre, faut voter parce que bah, là, sinon, Anae, attends, sa défense, peut-être Anae, t'as 10 secondes. Bah moi, j'ai entendu le loup arriver dans la maison, on m'a tiré dessus. Ils lui ont tiré dessus, après j'ai couru et je me suis cachée dans la fenêtre. T'es pas nette, Anae. J'ai mis le chaos devant mes yeux et après tu m'as pas dit, je pense que c'est toi. Ouais. Ouais, j'ai trop sang, putain. Et essayez de voir qui a voté en dernier. Ok. Pas dans la merde, non. Moi qui vous le dis. Merci Cody pour le subgift, merci beaucoup. Pas dans la merde, non. Bon. Merci Aziris. Merci beaucoup pour l'année. Ah, c'est toi Tsuna qui a voté en dernière. Elle qui a tiré C'est toi qui as voté en dernière sur Anae. Qu'est-ce que t'attendais? Je sais pas. Ok. Je sais pas, mais je suis 100% safe, moi. Je sais pas, moi, c'est la première fois que je te croise. Bah, j'ai peur de toi un petit peu. Vas-y, je me mets en... Vas-y. Eh, mais vous savez quoi? Moi, je prends le TP, hein. Je te laisse dans ta merde, hein. Ça me... Ok. Vas-y. Il y a un TP juste à côté. Vas-y, prends-le. Ouais. Et bah alors on est tous safe s'il y a un TP juste à côté. Bah non, parce que il y a qu'une seule personne, c'est ça que je te dis. Genre là, si quelqu'un se transforme ou un loup arrive... Moi, je pense que... Tu penses quoi? En effet... Ouais, voilà. Ah non, je suis foutu. Non, on est foutu. J'ai vu un loup! J'ai vu un loup! Y'a quelqu'un? J'ai vu un loup! Y'a quelqu'un? Oh putain! Oui, bon. J'ai vu un loup! Oui, oui. À l'autre village. Oui, village pêcheur. Ouais. Et du coup, c'est pas toi, donc c'est Coca, je pense. Parce que moi j'étais avec Lutti, donc là il y a Fukano, Lutti, Ponce, il manque qui? Il y a des TP, hein. Il y a le TP derrière ou pas? Il y a pas de TP derrière. Yep. Vous avez entendu des TP? Fukano, t'es où? Il y avait un loup, mais... Il en a tué deux. Il a tué que Tsuna. Lutti, Fuka, Wingo et moi. Ok. Attends. Parce que moi j'ai... Fukano, est-ce que t'as pris le TP à la fin, là? Oui, et j'ai pop dans la forêt. C'était vraiment le temps. C'est toi qui as pris le TP? Ouais. Et quelqu'un est passé dans l'autre village un peu plus tôt, parce que moi, je suis sûr d'avoir vu un loup dans ce village. Non, mais avec Lutti, on a vu la transfo village pêcheur. C'est ça. On a vu la transfo et non, moi, j'ai... Pour moi, c'est une évidence que c'est Ponce qui arrive à la fin des transfos. Ah, mais oui. Lutti, c'est forcément Ponce parce que je suis bête. J'ai vu Fukano sur le ponton. Tu l'as vu quand, Fukano? Tu l'as vu quand, Fukano? Fukano en potion de lumière sur le ponton quand je cherchais les gens. Et s'il avait des transfos après la potion de luminosité, il aurait perdu la transfo. Mais de toute façon, il était de l'autre côté. Et le truc, c'est qu'on a vu Ponce se transfo au loin. Que Fukano il est safe plus ou moins depuis le début. Et attendez juste. Nous, si tu veux, on est parti du village pêcheur. On a couru ici avec Wingo, on s'est splitté en deux. Oui, d'accord. Il a vu Fukano au loin et moi je suis resté à côté du TP. Et est-ce que juste comme ça, Anae, on est sûr que c'était elle? Eh ben oui, parce que sinon il resterait deux loups-garous qui terminent les BG. Ah oui, exact. Oui, exact. Oui. En fait, la malchance que t'as, c'est que du coup, on sait pas qui, mais on voit quelqu'un se transformer en loup village pêcheur. Et là, avec Lutti, on est en mode on se split et on cherche juste des gens. Pour voir. Et le fait que je vois Fukano en lampe torche
Bah, en fait, moi, j'ai senti la merde. Je me suis dit, si personne me voit alors que je suis à l'autre bout de tout le monde, je vais paraître suspect s'il y a des kills à l'autre bout de la map. Donc, quand j'ai vu que j'avais lumineux, je me suis mis sur le ponton en mode phare et je me suis dit, regardez-moi, je suis là, ce n'est pas moi. Et c'est ce qui s'est passé, Wing. Mmh. Ouais, du coup, ouais, c'est ce qui s'est passé. Mais heureusement que je m'en souviens parce que j'ai failli ne pas m'en souvenir. Putain, par contre, Pont, t'es revenu avec le TP, t'es revenu comment? Ouais, j'ai TP ruine et puis j'ai. T'as couru sur la plage, non? J'ai TP ruine. Mais j'ai TP ruine, mais le truc, c'est qu'en fait, ça, je pouvais pas trop le deviner, mais si j'étais resté transformé, j'aurais peut-être pu vous tuer vu que vous aviez la lumière, ouais, et je le savais pas. Pu tuer Wing. Mais le truc, c'est que. Ouais, mais je pouvais plus me retransfo, tu sais. J'avais des transfos, j'étais en mode bon. Et du coup, c'était. En fait, moi, j'ai vu que t'arrivais pas vers moi parce que moi, j'étais là, tu vois, et je voyais le village, j'avais vision nocturne. Je vois que tu viens pas ni en villageois ni en loup-garou, donc je me suis dit, bah, il a pris le TP. Et du coup, bah, moi, j'étais là en train d'attendre à côté d'un autre TP en me disant. Je priais juste que tu fasses pas 2 kills. Ouais, je capte. Mais du coup, je pouvais pas. Et Anae a tué strictement 0 personne dans la game. Donc, bref. Aïe, 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 ça tire à balles réelles. Ouf. Allez, GG. On applaudit Anae, évidemment, pour son niveau. Je rigole. Au revoir. Pourtant, elle a tout donné pour essayer de nous tuer. Elle a vraiment tout donné. GG. Ah mais c'est Ponce ou c'est Anae qui a tué KO du coup? C'est moi qui ai tué tout le monde. Pourquoi? J'ai tué 100% des morts. C'est toi qui as essayé de crouch. Ouais, parce qu'en fait j'étais villageois donc j'étais en mode moi ça m'a permis de voir qui était sincèrement mais villageois. T'es un fou malade. Parce que du coup quand tu t'es fait passer pour le chasseur. Fou malade. Et qu'après bah il y avait plus d'ales et tout et qu'il y avait les loups. Moi j'étais plus villageois parce que Tsuna était chasseur. Je joue pour le content KO. Je joue pour le content KO, ok. Ah mais là mon cœur il s'est brisé en mille morceaux. Oui mais l'avantage au moins c'est que t'avais confiance en moi et moi j'étais villageois donc j'ai oui, instauré. J'avais confiance un truc en toi mais après j'ai pensé que t'étais loup tu vois. Bah ouais elle aurait pu te jeter sous le bus. Moi du coup je pensais trop oui. Que t'étais loup vu que bah on s'était un peu tu vois avec Kao on était tous les deux dans la maison et tout. Elle m'a confié qu'elle oui. Avait des doutes sur toi et du coup j'ai partagé ses doutes. Elle m'a confié. elle m'a tout expliqué. Je suis dès que j'avais une balle mais personne m'a donné de fusil du coup. Mais putain! Ça marche pas comme ça, Wingo, du coup. Ouais. Non, mais c'est un malade! Ah. Et au niveau des paramètres, c'était ok pour vous ou pas? Je trouve qu'à la fin, on peut encore courir à l'infini, hein, non? Ah ouais? Ok. Ah ouais, ouais. Ok, vas-y, je mets ça alors. C'est le feeling que ça m'a donné. Vas-y, ouais, peut-être. On a beaucoup plus courir. Ouais. Ok. Bah vas-y, je baisse un peu la fin, mais je laisse le même taux d'apparition. C'est dur, quoi. Les gens, ils sont chauds. Les loups, ils ont du mal, là. Loup, c'est dur, mais en même temps, on joue avec Fukano, donc à partir de là. Fukano, j'avoue, masterclass. Ah, Fukano, c'est. Ouais, Fukano, il est. Faut tuer les gens. Bah, en vrai, oui, si t'es loup, faut tuer Fukano, vraiment. En vrai, de la soirée. Non, Fukano, il est midi 28. Oui, oui, il est midi, ouais, il est midi 28, ouais. Oui, d'accord. 58 d'ailleurs. Déjà, mais... Ouais, bon. Pour d'autres, il est très tard. Arcanthor. En tout cas, super intéressant de la discussion, Arcanthor, parce que oui, c'était cool, ouais. Parce que du coup, j'ai monopolisé le premier débat par rapport effectivement à la néophobie alimentaire. Phobie alimentaire. Mais en fait, c'est parce que c'est Arcanthor qui est touché par ce trouble. Et du coup, en fait, j'ai tué Arcanthor juste après qu'il m'avoue ça. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé effectivement. Parce que, en l'honneur d'Arcanthor. Du coup, à premier meeting, j'étais innocenté. Je me suis dit non, il parlait avec son chat, logique. Alors, du coup, après, je parlais avec mon chat. Où ça se corrige, entre guillemets. En vrai, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est toujours difficile, tu vois. Genre, apparemment, il y a longtemps, j'ai découvert une sauce fromagère, c'est super, tu vois. Mais ok. Apparemment, tu peux voir des psys, des orthophonistes, quand même quelques personnes dans le paramédical qui peuvent te permettre de travailler, quoi. Mais c'est chaud. Effectivement, j'ai essayé pendant longtemps, mais c'est psychothérapie. Après, comme tous les troubles alimentaires, hein, c'est ok, tu vois. Juste, bah, la salade, c'est compliqué, quoi. Je comprends. Mais la salade sans salade, genre la salade avec des tomates et trucs comme ça. Une salade de pâtes. On peut appeler une salade sans salade en vrai. Mais une salade de pâtes avec des pâtes froides. Non, mais c'est mort. Et de la tomate et de la raisin. En vrai, de la piémontaise, quoi. De la bonne piémontaise. Ou une piémontaise avec trop de maillot là. Ah, du riz froid, oui. Du riz froid, oui, Arcanthor. Le riz, c'est ok. Une petite salade de lentilles. La piémontaise, c'est mort. Non, mais imaginez une salade de pied de porc là. Oh là là. Oh, c'est trop bon le miso. Le fait d'entendre ça me donne envie d'être loup là. Porc à la vinaigrette. Ok, je lance la game, ça me dégoûte là. 1, 2, 3, je lance, c'est parti. Ah, un plus, moi. Merci à Ethereum pour le 23e mois néophobe alimentaire RPZ, force à toi. Force à toi de fou et merci Scapcat aussi pour le 52e des bisous. La salade de pied de porc, Ponce. Ah, ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte. Mais non, si. C'est excellent. Ah, ça me dégoûte. Toi, tu manges des pieds de porc, tu manges. Je mange tous les pieds, hein. Pardon.
Tiens, regarde. Non, non, mange pas mes pieds. Oui, moi j'ai vu vraiment la tête. Non, mais la scène où tu sors de l'église en faisant miam 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 miam. C'est vrai qu'on sortait de l'église, c'est vrai. Bah oui, c'est catastrophique. Coucou. Salut. Attention. Oh, vision nocturne. Incroyable. Attends, j'en ai une, attends. On est beaucoup au même endroit là. On est beaucoup, ouais, il peut se passer de la dingue là. Il suffira d'une étincelle, hein. C'est quoi ça? Ah. Oh, chier. Super. Oh, vision rouge, mais dans l'autre sens. Quoi? Salut. Subira. Voilà, je brille. Pourquoi là-bas il n'y a plus Kano, il est en sniper? Ah oui. Et tu fais quoi, mec? Qu'est-ce que tu fais? Je vous espionne. Bah là écoute, là c'est insane. Je cherche le moment opportun pour me transformer. Ah, ça c'est une phrase de quelqu'un innocent, je connais. C'est bien pour ça que je le dis en tant que pour me faire innocenter. Ça va? Ah ouais, là la petite dalle, elle, ça tient quand même, là j'ai un peu trop couru perso. Ouais, faut faire gaffe, faut faire gaffe sur la course, ouais. C'est mieux réglé. On est tellement au même endroit, what the fuck. Il y a un loup qui se dit que c'est bien réglé aussi, ouais, là. Bon. Putain, il fait nuit encore. Je mange un peu là parce que je suis pas bien là. Ouais, pareil. Viens ici que je te graille le fiac. Non. Si tu vas mourir sous mes crocs. Le vibrateur en plus. Oh là là. Merci, bon. Flonflon cringe. Cringe. Puerto Rico. Attendez, je propose une seconde de silence pour Nae. Voilà, c'est bon, c'est fini. Bravo à tous. C'est parti. Ouais. C'était pas une minute du coup. Elle est où, elle est où? Comment ça c'était poncé qui? Comment ça c'était poncé qui? Ça m'emmerde un peu, c'était ceux qui étaient dans l'église, c'était poncé K.O. C'était non, pas. Non, c'était flonflon. Non, c'était flonflon, c'était. Non, c'est pas flonflon. Mais j'étais absolument pas dans l'église. Moi j'étais dans l'église quand je suis sorti bouffer les pieds de K.O. Et j'ai fait miam 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 miam. C'est le seul moment où je suis allé dans l'église. Mais attends, mais en fait, c'est pas que j'ai des virus, c'est trop drôle. C'est sexuel cette game là, parce que. Il y a rien de sexuel, on parle de pieds ici. Qui c'est qui était fluo? C'était moi. Okay. Et comment ça, c'est fluo? Excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être fluo? Pompon. C'est la potion. C'est la potion bleue. Bah on a un doute sur Pompon. J'ai une question pour lui. Ouais, ah bah c'est Wingo. Oui. Mais non, mais je. Mais. Une autre question, vas-y. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes où tous les trois? Alors nous, en fait, on a. Forge. On a prévu village de la forge. Et on a préparé un petit siège. Donc vous étiez bien tous les trois ensemble, Luti, Wingo, Arcontors. Exactement. Exactement. Ok, bah sachez que vous êtes tous les trois innocents. Bah oui, on avait une double transfo. Bah oui. Il y a eu deux transfo. Il y a eu les deux. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi vous venez sur moi du coup. Moi j'en ai vu qu'une. Ah non, il y avait les deux loups. Non, il y avait les deux. Il y avait les deux 100%, j'ai entendu deux trucs. C'était qui? Alors, il y avait les deux, parce qu'en plus à la fin, ils étaient tous les deux transformés dans la maison à côté de la mienne et ils discutaient entre eux. Sauf que du coup, je connais pas les voix, enfin, j'ai pas connu les voix. Ah, fait chier. Oh, c'est vrai, c'est dommage. Peut-être ah ouais, discuter. Mais alors, vous je ne suis pas sorti de l'église. J'ai couru comme tout le monde dès qu'on a entendu la première transfo. Non. J'ai couru comme tout le monde. Moi, c'est pour moi, c'est Fonfon. T'as couru où? Non. Ah, d'accord, c'est chaos. J'ai couru. C'est pas possible. Quand tu sors de. Regarde, quand tu es face. Quand tu es face à l'église, moi, je suis parti à gauche. Regarde, à gauche, là, dans la rue là-bas que je pointe. Là, je suis parti, là, j'ai couru. Voilà. La rue Foch, on l'appelle comme ça. La rue Foch. Ouais. J'étais dans l'église et j'avais la vision nocturne, donc du coup je me suis reculé quand ça s'est transformé et en fait c'était Ponce et K.O. et j'étais avec une. En fait, parce qu'il y en était quatre et je pense que les deux loups-garous se sont transformés en pensant. C'est tellement facile. Mais comment? Quand au début de la game, t'as dit que t'aimais pas Wingo et Ponce. Mais non, alors Ola, vous êtes en train peut-être. Non, vous êtes peut-être en train de vous faire avoir par Flonflon. Je vous. Mais non, mais alors là. Mais il y a. J'ai pas voté. J'ai pas voté. Merci beaucoup à Mary Brambrook. Merci pour les 2 ans.
Putain. En fait, là surtout, j'ai mal joué, c'est que je me suis transformé devant la porte. C'est-à-dire que j'ai bloqué pendant 2 secondes KO, qui pouvait malheureusement pas bouger, quoi. C'est toi, Wingo et Lutti. Bah écoute, du coup, j'avoue que... Et surtout, elle a tué personne KO. Elle a tué 0 personne. Ça veut dire qu'elle s'est transformée. C'est comme en termes de bouffe. Et elle a tué personne. En même temps, le move était mauvais. Bah... Donc, je pense pas. Si KO avait réussi à tuer quelques personnes ou quoi, c'était ok, hein. C'était ok, hein. Elle a tué 0 personne. Ouais, je crois qu'elle s'est pris une balle, ouais. Oui, mais elle était en face de Flonflon. Je bloquais Flonflon, moi. Normalement, Flonflon était mort. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la maison, et j'ai fait l'autruche. J'ai prié que personne n'arrive. J'ai même pas vu ta tête dans le... Exactement, j'étais comme ça dans le... Genre, on est d'accord que quand je me suis transformé, il y avait Flonflon entre KO et moi, non ? Ah non, là c'est l'inverse. Non, mais je croyais vraiment, moi j'étais sûr que Flonflon allait mourir. Pourquoi je fais peur ? Flonflon a fui, mais comment il a pu passer ? Les gens, ils ont dit c'était KO, enfin c'était toi et Ponce. Non mais c'est trop facile, comme il l'a dit, Lutti, je suis nul et... Non mais arrête. Oh. Oui. Attends, comment tu voulais qu'elle te suive dans ton move ? C'est elle qui s'est transformée en premier, c'est pas moi. Hein. C'est moi qui l'ai suivi dans son move, c'était pas l'inverse. Hein. Ouais, je pourrais te voir en 4K. Attention, hein, c'est elle qui s'est transformée. Vu qu'elle s'est transformée, je me suis transformé. C'est pas l'inverse qui s'est passé. Ah ouais ? Ouais. Il y a que la potion verte qui est correcte. Sinon le reste. Il est passé une seconde avant la transfo ou pendant ? Ok, j'ai pas vu. Ouais. Pas possible. Je suis en train de. Du coup, c'est bon, c'est ça ? Transfo un peu tard. Ah ouais, 100%, c'était trop tard. C'était trop tard. Mais moi, j'avoue, elle s'est transformée devant moi. Je me suis dit, bon bah, go suivre le col. Et comme ça, on fait un carnage, sauf qu'elle a tué 0 personne et j'en ai tué une. Du coup, le carnage était pas dingus, quoi. Voilà. Ah, Kourkourou. Ça fait 2 fois que tu te fais avoir par la transfo de tes mates. Bah ouais, mais après, je préfère jouer avec mes mates que les envoyer sous le bus, quand même, tu vois, c'est ok. Parce que là, ce qui se serait passé, en fait, si je m'étais pas transformé, tout le monde aurait su que c'était KO et il y aurait eu 0 mort. Donc au final, on aurait eu un loup-garou mort, mais pas de villageois, alors que là, on a eu un loup-garou mort avec un villageois. Donc quelque part, j'ai envie de dire, ça reste plus worse qu'on a fait que plutôt que pas se transformer, je me dis. Je n'ai TP, j'ai avancé vite et j'ai pas vu, ouais. Bon, c'est toujours KO. KO est encore en vie, du coup. C'est KO 100%. Ouais, voilà. Mais pourquoi elle le serait pas ? Merci Kev. Pour le troisième mot. Il y a une transformation. Toute la game. Ouais, bon, allez. C'est KO. KO défendait trop Ponce et c'était Ponce sûr. Et Lutti, je l'ai croisé et il était bien brillant et. Et il a déjà défendu. J'ai défendu Lutti parce que c'est une jolie fleur et que je suis contente d'être son ami. Vous êtes pénible. Ouais, je comprends, mais tu vas mourir. Et puis soudainement, t'aimes bien les petits loups. Un loup-garou sur 2 coûte plus qu'un villageois sur 8. Oui, mais elle était morte quoi qu'il arrive, KO. Donc quoi qu'il arrive, on perdait un loup-garou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si je me transformais pas au premier tour, tout le monde votait KO. Donc c'était pareil. KO. C'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ? C'est la même chose. Sur les petits loulous. Mais les petits loulous, c'est quoi ? C'est des... Si tu suis pas le col, personne sait que c'est toi et tu peux tenir plusieurs rounds. C'est un petit loulou. Ouais, ouais, bah comme KO est en train de le faire là. Tu vois. Mais au final, c'est dur. Oui. Non, mais là, dans le jeu. C'est quoi ton... Ouais, c'est là, dans cette game, c'est quoi ton avis personnel sur les loups, en gros ? Bah c'est un peu pénible parce que c'est beaucoup poilu. En plus, il commence à faire chaud, donc ça perd ses poils. Quand tu lèches du coup ton bras, tu vomis des boules de poils. Ok, ouais. Okay. Quand tu lèches ton bras, c'est ça ? Ouais. Oui, ouais. Bah faut se laver. Hein, ah, c'est ok. Oui, c'est... Oui. Non mais oui, c'est assez important, est-ce que, d'accord. Est-ce que tu trouves que les loups sont parfois jugés un peu vite par les autres, qu'on prend pas le temps oui, de faire connaissance ? Oui, complètement. D'accord, ouais. Je pense que c'est l'anti-jeu de juger trop vite les gens. Okay. Du coup, bah, tu dirais qu'il y a un vrai problème sociétal dans l'intégration des loups dans le dans ah oui, le, complètement. Pour la réintégration dans le cursus dans social, quoi, finalement. On veut plus de loups, c'est plus fort, c'est pas du tout. Non, mais là, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas du tout une espèce protégée, en fait. Vous êtes abominable. Vous êtes team chasseur, en fait. Vous êtes team violence contre les animaux sauvages. Alors moi, moi, en tant que villageois, j'aimerais bien être à faveur, pour le coup. Ouais, bah toi, oui, toi, t'étais trop chelou. Tiens, voilà, prends ça. Allez, tiens, dégage. Du coup, dans une forêt, je peux faire un loup ou un homme. Ok. Ouais. La gège. Je suis, mais désolé. Ah bah non, mais t'excuses pas, hein. J'étais pas obligé de te suivre dans la transfo. Hein. Mais de toute façon, il se serait passé la même chose. C'est-à-dire que si je t'avais pas suivi dans la transfo, tout le monde aurait voté KO. Et donc,
bah au lieu de moi, ça aurait été toi, je pense qu'on aurait été éliminé, sauf qu'on aurait tué personne, ouais. Alors que là, on a tué quelqu'un. Moi, concrètement, je trouve que c'est la même chose, hein, que je me sois transformé ou pas. On aurait redû faire une game en 1v8. Oui, c'est ça, qui est littéralement impossible, donc je pense que... Je pense que c'est pareil. J'ai vu une lumière dans le vocal qui s'est allumée au moment où j'ai dit ça. T'as kiffé la petite balle pompon droite gauche au puits bim bam boum là, c'était tight hein. C'est très bien ouais. Non, c'est pas moi, tu l'as mise à KO et moi j'ai suivi Anae comme un connard jusqu'au bout, jusqu'à la tuer en fait. Ah d'accord, ok. C'est vengeance, c'est la finalement. Moi j'ai entendu oh le sale chien. C'est pas moi. Le fait que je me sois échappé et du coup j'ai réussi à bien vous voir. Je relance. On est d'accord au niveau des paramètres, c'est ok non en vrai là. C'est pas mal. Ouais là c'est bien. Ouais là c'était bien là. C'est beaucoup plus dur. C'est dur pour la fin mais. Ouais, fallait pas rester stack. Ouais voilà c'est ça. Bah parfait. Let's go. Mais c'est très bien. Super cool. Let's go et merci Kimot. Tu vois, on parlait de l'aléatoire. Merci Kimot hein, pour le 22e mois de prêt. Merci beaucoup. On parlait de l'aléatoire. On sait qu'il n'est pas vraiment aléatoire, machin et tout. Vous vous rendez compte que là, j'ai fait une game villageois ou deux? Sinon, j'ai fait que des games loups. Tu sais, d'habitude, je suis jamais loup. Genre jamais, 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 jamais. Là, je le suis sur quasi toutes les games. Est-ce que tu sais ce que fait la potion rouge? Non, pas du tout. Je suis en train de... Alors dans ce cas-là... La mer est très cold, donc je sais pas. Je vais le faire maintenant. Vas-y. Rassasié. Je peux courir à l'infini. Écoute, let's go. Bah écoute, du coup, je te laisse ramasser, vu que j'en ai pas besoin, quoi. Bah ouais, vas-y. Là, il y a fromage et à boire. Merci. Lai. Merci à Célélé. Merci beaucoup pour les 2 ans, bienvenue à toi dans la salade. Certaines fleurs possèdent 3 systèmes reproducteurs en elles-mêmes, un organe mâle, un organe femelle, un organe hermaphrodite. On appelle ça la trécie ou la trimonoécie. C'est un peu étudié actuellement, mais on a pu trouver des mollusques, des moules qui appliquent aussi cette trécie. Merci à Célélé, bien sûr. J'ai rien compris. C'est bon niveau bouffe, t'es bien? Ouais, j'ai mis une carotte, et voilà. Okay. C'est bon. Bah super. Pardon. Non mais je crois que oui voilà parce que j'ai dit j'ai mis une carotte, je me suis mise dans le cul, voilà, il y avait rien, il y avait ah rien. Mais mets cette carotte dans tes fesses si tu le souhaites bien sûr. Ah, bien sûr, pas de souci, voilà, chacun ses petits trucs quoi. Ouais bien sûr, je suis toujours rassasié hein, bien sûr. Il y a un fromage juste ici, très cher Flonflon. Oh là là, mais merci, mais tu régales. Oh, ah bah oui, là je régale Flonflon bien sûr. C'est pas possible. Oh bah c'est possible. Le pauvre, mais en même temps là avec Rassasié et tout, j'avais tout pour me régaler. Les tout pour me régaler bien sûr. Y'a quelqu'un? Y'a des gens? Game Lou, elles sont dures là! Non, Coca! Oh les boules! Oh, c'est Coca! J'ai rien compris! Quoi, Coca? Oh, non. Alors, le loup-garou s'est téléporté. Ok, le loup-garou est arrivé depuis le village pêcheur en fin de nuit, on était très nombreux. Il a foncé dans l'église dans laquelle il y avait Coca, et à la place d'avoir un cadavre de Coca, on a vu de la fumée de Coca. Et c'était pas du Coca-Cola, c'était du Coca tout court. Tu fumes Coca? Exactement. Et à partir de là, ils sont sentis tous les deux un peu cons. Ils se sont dit, mais pourquoi tu te transformes juste devant moi? Mais en même temps, s'il l'avait pas tué, on aurait tous cramé que c'était aussi Coca. Donc je sais pas qui est son pote, mais il l'a fait passer sous le bus. Et donc vous étiez tous au village ici là? Anae, Tsuna et moi, on peut valider cette version là sur la fin. Et il y avait également Coca du coup. Fukane aussi. Et Fukane. Et moi-même. Voilà. Ouais. T'as changé de chapeau, Luty. Comment vous êtes pas mort, punaise? Ouais. Mais Coca était. En fait, le loup a foncé sur Coca sans faire exprès. Coca était son pote. Dans l'église. Puis Coca s'est transco dans l'église. Et ensuite, okay. Les deux loups étaient en mode bon, bah, on est ken. Et c'était la journée. Puis en on fait. Était au moulin. Et Coca, c'est sa spécialité. Comme il n'y a pas de timer de nuit, il se transforme toujours à la 15 secondes. Et après, il ne fait plus rien faire de sa nuit. Et qui. Attendez. Moi, je vais me défendre en disant que c'était bien vu de ma part, mais on ne s'est pas compris, c'est tout.
Big up pour la suite. Ah, bah, mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, je rentre dans le truc, lui il me suit pas, il tue quelqu'un d'autre, je me transforme, je sors, je nique tout le monde. Ça se passe, tu vois. Mais bon, du coup, ça s'est pas passé. Il a dit il. Il a pas d'embrouille. Allez hop, voilà, j'appuie sur T. J'ai tout dit. Il. Donc c'est pas Anaé, c'est pas KO du coup. Parce que le. J'ai dit il le loue, je vais pas dire elle la loue. Et c'est pas Tuna. J'ai oublié Tuna. Si jamais. Ah, je sais pas si le, pour le coup, je sais pas si le genre du loup, parce qu'on dit le loup en vrai. Non, bah je dis il le loup. Oui. Ou alors la loup. Non, je suis très premier degré, moi, Flo, d'accord. T'es mal joué quand même. Je suis très premier degré, moi. J'entends il. Neutre, hein, pour okay. L'instant, donc le loup est neutre, ok. Donc il y a, désolé, la coque. Bon, votez là. En vrai, il y avait un play. Oui, c'est bon, votez. Qui a voté en dernier? Ok. Bon, là. C'est impossible, donc on va essayer. En plus, il y a Fulcano. Si on peut tuer Fulcano très vite, on le fait. Mais bon, ben voilà. Mais là, c'est, on peut rien faire. Et je suis trop con d'être allé sur Coca, mais j'avoue que dans la panique, il y a plein de gens autour de moi, je prends la première personne que je croise, c'est un peu normal. Mais par contre, il aurait pas dû se transformer. J'aurais dû. Coucou! Hello, Anaé et Wingo Bear. Enfin, Wingo, pardon. Mmh. Ouais, s'il te plaît. Pardon. Le Bear, il est parti, d'accord? Oui, il est je plus sais. Là. Oui, okay. Gobert. C'est le mec qui s'énerve un poil trop pour un pseudo. C'est... Surtout que j'aurais dû le garder, mon référencement s'est fait baiser depuis. Ça me fait penser à Zerator qui m'appelait encore Poncefesse en 2022 pour rigoler. C'était super drôle. C'est hyper drôle en même temps. Ouais, c'est débarque. Débar. J'étais mort de rire. J'étais plié en deux. Mort de rire. Ça va la fin de votre côté ou la fin requiert les moyens? Non, là on va y aller, mais je cours pas moi de mon côté. Ok. Si jamais vous voulez vous TP, c'est la potion rouge. Oh, tu bugs. Ah ouais. Vous êtes à combien de fin? Vous êtes à combien au niveau de la fin? Ouais, je suis dans le rouge là. En gros, attention. Je suis dans le rouge. T'es dans le rouge? Bah viens là, viens là, viens là, viens là. Ah ouais? Oui. Attends, je me déplace le. Il est trop chiant, putain. Il est trop okay, chiant attends, ce mec. Merci beaucoup Lunacu pour le 26ème mois. Merci Lunacu. Ok, j'arrive. Oh, vas-y, tu casses les couilles. Oh, je vois ta tête! C'était un super spectacle. Oh, je vois ta tête! Tu vois la. Tu vois l'intérieur de ma tête? Ouais, regarde, Anaé, regarde, va dans... Fais voir je vais dans la tête de Wingo, attends, fais voir. Attends Wingo. Attends. Ah, waouh. Oh, oui. Anaé, reste avec moi. Anaé, reste avec moi. Ouais. Cours. Prends le TP, t'es chasseur. C'était ça, ouais, de toute façon, personne serait mort. Flemme de jouer cette game de mort, là. Trop la flemme. Tout seul en 1v8, déjà qu'à 2 on gagne pas, mais alors à 8... J'aurais dû faire à côté du TP en vrai. Alors on a vu Anaé se transformer à côté de Wingo et moi, c'était une dinguerie. Oh non. Non mais en vrai, je suis désolé, mais c'est juste que j'étais tout seul face à tout le monde. C'était déjà à deux, on n'arrive pas à gagner, mais alors tout seul, je pouvais pas gagner. Genre. Et puis pause. En plus, évidemment, pas de chance de faire. Il y a le chasseur, bien sûr. Évidemment. Bien sûr, sur les deux, il y a le chasseur. Bah GG. Oh, wow. Non, c'est une impression qu'on fait tomber super vite le premier loup. Ah, le premier loup, il se fait bien taper. Ah ouais, c'est dur, hein. Putain, c'est... Bon, après, ouais. Mettre que les loups, ils se transforment plus vite. Après, j'ai jamais été loup. Tu votes l'église, pense ? De quoi ? Tu votes l'église ? Non, je vote toi, K.O. Putain. Très bonne stratégie. Il faut voter. Il faut passer, en fait, là. Il faut voter. Qui n'a pas voté? Ah oui, il faut voter. Bah, toi. Ah, c'est moi, pardon. Qui n'a pas voté? Je suis désolée, pardon. J'avais voté, pardon. Putain, c'est pas possible. Ouais. Je sais pas s'il faut. Bon, je sais pas s'il faut pas changer un truc sur les options transfo. Parce que là, vraiment. Pure, on met trois loups, hein. Non, moi, je pense que les loups prennent pas le truc assez au sérieux. Plus rapidement, c'est possible, ouais. Moi, je pense que je suis trop nul. Ça, il laisse moins de témoins.
Ouais, Luthi, t'es Ponce, un ouf en vrai, Luthi. Deux fois que je me fais avoir par Ponce, voilà, ça me saoule. Pourquoi ouais. Désolé, Flanflan. Il est trop gentil, il est trop gentil là, avec sa petite bouille. Dans un désolé. Objectif de merde, voilà. Toi, t'arrives, tu cours, tu te retournes, tu vois ce qui se passe. Comment t'as vu que Ponce, il est venu dans le... Enfin, t'es pas, t'es moi, genre, t'as pas, je cours tout droit, quoi, tu vois, je suis Bah oui, mais en fait, j'ai eu célérité. Donc j'ai, comme je suis alchimiste, j'ai la potion qui me fait courir vite, donc je suis safe, donc j'essaie de prendre de l'info le plus tard possible. Je le vois courir vers toi, je le vois rentrer dans l'église, je vois qu'il te tue pas, et je vois qu'il y a de la fumée. Bon bah c'est perdu pour toi, tu vois. Donc je peux pas faire... Et en plus, vous avez pas pu me tuer parce que c'était la journée qui arrivait. Enfin tu sais, genre t'aurais même pas pu faire la moitié du village que c'était ouais, déjà la bien journée. Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, on est trop à avoir vu la fumée, quoi. Oui, en plus, j'étais pas le seul à avoir vu la fumée. Je me rends pas à travers les murs, en fait. On la voit bien à travers les murs et tout, ouais. Ouais, Ponce, bah ouais, ça me semblait être une bonne idée quand je l'ai fait, mais... Vraie question, ça me semblait. T'as essayé de me bloquer, non, quand je parlais de que j'avais besoin de bouffe et que tu m'as fait rentrer dans la... Dans non, la... parce qu'à ce moment-là... Non, en vrai, non, vraiment pas. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en mode... OZ, de toute façon, je gagnerai jamais. En vrai, vraiment, hein, du coup, j'étais en mode bas les couilles. Et puis après, je me suis dit, bon, autant te transformer maintenant, parce que de toute façon... Bah... J'étais sur ta POV quand t'étais seul, j'étais là genre casse les couilles, voilà j'en ai marre. En fait moi je lui dis je suis trop dans la mer, je suis dans le rouge côté bouffe, j'étais vraiment au max de ma part. Oui non mais j'imagine, mais non mais en fait le truc c'est que ouais tout seul c'est vraiment extrêmement dur. Et puis aussi moi d'habitude je suis jamais loup, là j'ai été loup 90% des games, c'est à dire que toutes les games sauf une j'étais loup, ouais. J'en ai un peu plein le cul. Ça forge le caractère. Plein le cul quoi. Et bon bah go c'est la...